park safari, and that's the where we go. That's where we go, the park, the safari. Okay, look, wait, it's over there. Look over there, park safari. Wait, is it the drive-in? Your destination is on the right. Ow, my neck. Oh, then it's like one dolphin, not dolphin. With no car at the day, this is a electric car, gratuit. This one. Guided tour. Wow, what is that? Free? Yeah, it's free. Okay. It's open, it's open. Open camera. She wants to touch your face. Restez pas là, s'il vous plaît, c'est dangereux. Donc, bonjour tout le monde, mon nom c'est Daniel. Le wapiti est un bon coureur et un bon enfant. Comme chez tous les cervidés, seul le mâle a des doigts et certaines légendes accordent des vertus médicinales au velours et aux voix du wapiti. À l'heure actuelle, trop utile quand la nourriture se fait rare. Tout comme le dromadaire, il ne s'agit pas d'eau, mais bien de grâce. Le chameau est également plus trapu que le dromadaire. Toutefois, outre ces différences, les deux espèces sont assez semblables et présentent la même arcade sourcilière prononcée, de même que les mêmes pattes larges parfaites pour le sable et les steppes arides. Cet animal fait en moyenne 2,5 mètres de haut et pèse près de 725 kg. Les chameaux de Bactriane sont incroyablement tolérants aux écarts de température, pouvant endurer sans problème les températures aussi hautes que 50 degrés et aussi basses que moins 40 degrés Celsius. Nos chameaux restent extérieurs à l'année longue et l'hiver, ils sont mieux comme ça pour avoir une intense situation. Les autres, ils nous suivent, ils sont des gourmands, ils nous courent après mon ballon. Les autres, c'est des gourmands. Dans son habitat naturel, dans la réserve naturelle nationale de Dafeng en Chine. Aussi à l'Adax est considéré en voie d'extinction critique à l'état sauvage, car on en retrouve une ou deux dans quelques régions isolées de l'Afrique du Nord et les crocs ne sont pas nombreux. Leur corne dorsale commence à pousser dès les premiers jours suivant la naissance et atteindra jusqu'à 80 cm. Il s'agit d'une espèce d'antilope ayant adapté sa vie aux conditions arides du désert. L'antilope à Dax démontre plusieurs adaptations remarquables. Le Watusi est une vache domestique de l'Afrique. Ses cornes atteindront jusqu'à 2,5 mètres de long, parfois davantage, autant pour le mâle que pour la femelle. L'élan du Cap est une des plus grandes antilopes d'Afrique, mesurant environ 1,5 mètres au garrot. Le mâle adulte peut peser plus de 910 kg. Doté de cornes pouvant atteindre près de 70 cm, il s'en sert un cou aussi long que ses jambes et qui lui permet d'aller chercher les feuilles au sommet des arbres. Pourtant, la girafe possède 7 vertèbres cervicales, tout comme les humains. Chacune de ces vertèbres est très allongée, produisant le plus long cou de tous les mammifères. Au parc safari, nous avons les zèbres se reconnaissent facilement grâce à leurs bandes noires et blanches qui caractérisent leur pelage. Il faut par ailleurs préciser que ces veillons noires et blanches n'apparaissent qu'à un âge assez avancé, ce qui veut dire qu'elles n'existent pas au stade fœtus initial. Ces derniers sont en fait entièrement noirs. Les rayons surgissent par bandes d'environ 400 micromètres au fur et à mesure que l'animal grandit. La famille se compose d'un étalon, le mâle adulte, d'une ou deux femelles, les juments et de leurs petits de la naissance à l'âge de 2 ans. Les adultes restent ensemble la plus grande partie de leur vie, souvent jusqu'à la mort. Parfois, lorsque l'étalon devient trop vieux et malade, un autre étalon plus jeune prend sa place.
donne-lui. Donne-lui. Ok. Hein, il veut. Donne-lui, mais où tu vas? Mais... Tu veux pas de... Tiens, tiens. Oh, tu l'as fait peur. Allez, vas-y. Thank you.